sur un chaudron, la farine mondaine, la farine chaudron. Les autres tapettes se passent de ribiribi à la façon biribi, mon ami. Et la tapette sur un chaudron, la farine mondaine, la farine chaudron. Les autres tapettes se passent de ribiribi à la façon biribi, mon ami. Thank you.
travail, jour du travestissement, du retournement, jour où les mendiants sont des rois, les paysans des soldats, les vénères des avocats, jour où tout est permis, jour sans hiérarchie, jour sans barrière, jour où personne ne sait qui est qui. Prise dans la ronde, les querelles de voisinage s'oublient. Et au milieu du charivari, voilà que se rencontrent deux jeunes gens. Et ils dansent. Mais quand les masques tombent à la fin du jour, voilà que s'impose l'évidence. Leurs villages sont des ennemis jurés.
Alors, longtemps, ils tentent de s'oublier et font comme si de rien n'était. Longtemps, de carnaval à mai, mais quand mai fleurit, Firmin n'a pas oublié la jolie Léonie. Au diable les querelles de clocher, Firmin aura le courage de se déclarer. Le courage, certes, mais incognito, car on n'est jamais à l'abri d'un père ou d'un frère trop protecteur ou encore d'un galant jaloux. Et Firmin n'est pas le seul à courtiser la douce Léonie. Alors, c'est en catimini que Firmin, du village de Bergère, va poser au volet de Léonie, du village de Bragelonne, la branche de mai pour déclarer sa flamme. Voici le bois de mai, l'on l'a tralala la lèvre, voici le bois de mai, que donnerais-je à ma mie, que donnerais-je à ma mie, que donnerais-je à ma mie. Nous lui planterons un mai, l'on l'a tralala la lèvre, nous lui planterons un mai, qui vaudra bien son livre, qui vaudra bien son livre, vaudra bien son livre. Quand le mai sera planté, on la tralala la lèvre. Quand le mai sera planté, nous demanderons la fille. Nous demanderons la fille. Nous demanderons la fille. Laquelle demanderez-vous? On la tralala la lèvre. Laquelle demanderez-vous? Est-ce la vieille ou la jeune? Est-ce la vieille ou la jeune? Le mois de mai, on l'a tralala la lèvre. Voici le mois de mai, que donnerais-je à ma mie? Que donnerais-je à ma mie? Que donnerais-je à ma mie? Thank you.
et le mois de mai passe. Léonie a compris, Firmin pense à elle. Mais qu'il est compliqué quand on vient de villages ennemis de pouvoir se retrouver. Et au galant qui la courtise, Léonie préfère le jardinier du village d'à côté. Je voudrais bien m'y marier, mais j'ai trop peur de me tromper. Je voudrais bien m'y marier, mais j'ai trop peur de me tromper. Je veux rester. Vole le fil des pauvres gens. En poussant sa navette, la verdurette durette. En poussant sa navette, la verdurette du bois. Je n'en veux pas d'un cordonnier, j'aurais trop peur de son tirer pied. J'aurais trop peur de sentir pied. La forme par la tête, la verdurette durette. La forme par la tête, la verdurette du bois. Je n'en veux pas d'un vigneron. Y'en a point qui sont beaux garçons. Toujours le nez en terre, la verdurette durette. Toujours le nez en terre, la verdurette du bois. Je voudrais bien d'un jardinier, c'est un joli petit métier. Je voudrais bien un jardinier, c'est un joli petit métier. Pour vous compter fleurette, la verdurette durette. Pour vous compter fleurette, la verdurette du bois. L'été est arrivé sans que Firmin et Léonie ne puissent se rencontrer. La moisson a encore ravivé les vieilles querelles entre les deux villages. Comme d'habitude, ceux de Bragelonne se sont amusés, pendant qu'ils laissaient travailler ceux de Bergère, les cutéreux, comme ils disent. Et nos deux amoureux sont obligés de faire semblant de s'ignorer lors de la fête du chien de moisson, qui célèbre la fin du travail. Comment pourrait-il oser s'approcher quand les deux villages n'échangent que des moqueries? Oh,
pas osé. Sous les yeux ébahis de parents et voisins, il vient d'enlever Léonie. Ah, et Commère, au la voir, avait bien sûr déjà décrété que quelque chose de louche se passait entre ces deux-là. Mais l'afficher devant tout le monde, ah, quelle audace! Voilà de quoi alimenter les discussions pendant longtemps, au moins jusqu'à la fin de l'été et de l'entracte.